Ma chère Belinda, ton père et moi sommes heureux d'apprendre que tu as entrepris ton voyage vers l'Ouest. Mais je te l'avoue, nous ne pouvons nous empêcher de nous inquiéter pour toi. Je sais combien cette année a été difficile depuis la mort de Drew. J'aimerais tant pouvoir en faire plus pour t'aider. J'espère que ta nouvelle vie dans le Missouri t'apportera le changement dont tu as besoin. N'oublie pas, peu importe la distance qui nous sépare, tu seras toujours la bienvenue à Anderson Corner. Tes voyages pourront toujours te ramener à la maison. Et sache que tu es toujours dans nos pensées et dans nos prières. S'il te plaît, écris-nous pour nous faire savoir que tu es bien arrivé et transmets nos amitiés à Annie. Remercie-la de te tenir compagnie quelques semaines avant de partir s'occuper de son propre cabinet de consultation. Je t'embrasse, maman. Tu n'arrives pas à dormir? Tu penses à Drew? Oui. Je m'inquiète pour les enfants de Sexton. Tu es un excellent médecin, arrête de t'inquiéter. Tu sais soigner n'importe qui. Ce n'est pas vrai, tu sais aussi bien que moi. Je n'ai pas pu sauver Drew. Mesdames, bienvenue à Sexton. Madame. Merci beaucoup, monsieur. N'oubliez pas les œufs. Eh bien, c'est ravissant. Quoi donc? Sexton. Il n'y a rien ici. Annie, tu ne t'attendais pas à trouver un opéra tout de même? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, en fait. En tout cas, j'étais loin de m'imaginer que ce serait si... Parfait. Primitif. Vous m'avez parçu mon télégramme, j'avais réservé une chambre. Je vous apporte ça tout de suite. Je ne sais pas à qui on doit se présenter. Monsieur le maire, j'ai du mal à croire que vous favorisiez ces vauriens d'orphelins au détriment des habitants de la ville. Je regrette, mais ce que vous dites n'est pas vrai. Merci, Sirius. J'essaie de me montrer juste avec tout le monde. Il n'y a aucune raison de penser que ces enfants sont un danger pour qui que ce soit. Vous irez le dire à mon frère. Toute ta communauté a été profondément attristée par ce qui est arrivé à Carl. Mais vous ne pouvez pas mettre sa mort sur le dos des orphelins. Il se pourrait bien que ce soit une horrible coïncidence. En effet, c'est ce que... Parfait. Vous me cherchez peut-être? Je vous en prie, entrez, entrez par ici. Je l'attends. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis Maxwell Evans, le maire. Belinda Simpson, le nouveau médecin. Bienvenue. Bien. Merci, Cyrus. Vous pouvez nous laisser. Merci. J'espère qu'on vous a informé que j'étais une femme. Ah, bien sûr que oui. Mais je vous avouerai que je ne m'attendais pas à en recevoir deux. Oh, je vous présente mon amie, le docteur Annie Nelson. Elle va bientôt remplacer le médecin dans le territoire du Kansas. Mais le poste ne sera pas disponible avant le mois prochain. Elle va m'épauler d'ici là. Ravie de vous rencontrer, monsieur le maire. C'est un très bel hôtel. C'est gentil, merci. Et bienvenue à Sexton. Si vous me le permettez, je vais vous accompagner à la clinique. Et vous pourrez vous installer dans votre nouvelle maison. Merci beaucoup. Et ensuite, je voudrais voir les enfants malades, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui, bien sûr. C'est là. Bien. Nous y voilà. C'est ma clinique? Oui. Nous avons fait des plans pour agrandir le bâtiment, mais le budget nécessaire va toujours à autre chose de plus urgent. Vous le comprendrez. Vous allez mettre vos bagages à l'intérieur. Vos quartiers sont juste au-dessus, au premier étage. Suivez-moi. N'y a-t-il plus de médecins à plein temps?
Voyons, le docteur Ross est mort il y a 6 mois maintenant. Depuis qu'il n'est plus là, on se débrouille tout seul. Il exerçait dans ces conditions? Oui, pendant 30 ans. Je ne me souviens pas l'avoir entendu se plaindre, ne serait-ce qu'une seule fois. Après un petit coup de propre, ce sera parfait. Étant donné la nature de la maladie des orphelins, j'imagine que les visites à domicile sont indiquées. Les enfants, ceux qui sont malades, sont tous alités maintenant, mais ce n'est plus seulement les orphelins qui sont affectés. En ville, Carl Russell est mort il y a 2 jours. Et John et Meredith Pine l'ont attrapé aussi. L'affection se propage, docteur. Les gens deviennent anxieux, et franchement, moi aussi. Vos chambres sont au premier étage. On a un balcon. Tu crois que toutes les villes frontières sont comme ça? Pour la plupart, oui. Je savais que ça nous changerait de Boston. Toutes les deux, on a fait 3 ans d'études de médecine à l'université de Boston sans qu'un seul homme ne daigne nous donner un coup de pouce. Et nous étions les 2 seules femmes. Tu sauras faire face. Et moi aussi. C'est là. Bonjour, Lee. Monsieur le maire. Qui était-ce? Lee Owens, notre forgeron depuis des années. Attention, on va éviter de passer en dessous. Voilà l'orphelinat, vous y êtes. Vous ne voulez pas entrer? Non, je suis occupé cet après-midi, j'ai des rendez-vous. Mais nous allons nous revoir, très vite. Alors si je peux faire quoi que ce soit pour vous rendre la vie à Sykeston plus agréable, surtout, n'hésitez pas à me le dire, d'accord? Je vous laisse, au revoir. Désolée, nous n'acceptons pas de visiteurs à cette heure-ci. Nous sommes fermés. Je ne suis pas là pour rendre visite, mademoiselle Clarence. Je m'appelle Belinda Simpson. On m'envoie soigner les enfants. On m'avait dit qu'on m'enverrait un médecin. Mais une infirmière, j'accepte volontiers. Le médecin, c'est moi. Vous dites? On m'a envoyé à Sykeston. Je reprends le cabinet du docteur Ross. Je vous en prie, entrez. Suivez-moi. Où sont les enfants, s'il vous plaît? Oh, eh bien, je mets ceux qui sont en bonne santé dehors, à l'air frais, du moins autant que je peux. Madame, tout ce que je dis, c'est qu'il faut faire quelque chose. Si Evans croit qu'on va rester sans rien faire pendant que nos familles souffrent à cause des orphelins, il se trompe lourdement. Faut qu'il comprenne qui tient les rênes ici. Ray, vous faites fuir tous mes clients, ça suffit maintenant. C'est pas ma faute si personne veut écouter la voix de la raison. Je te tiens. Si je peux venir, je serai là. Toutes mes excuses, madame. Voilà, faites attention. On en a encore perdu un en début de semaine. Le coryza? Oh, comment s'appelle cette maladie? Ça, j'en sais rien, docteur Simpson. Mais une chose est sûre, elle est différente de toutes les grippes que j'ai pu voir.
Au quotidien, cet orphelinat est le foyer d'environ une trentaine d'enfants. Quand la maladie est arrivée, elle a touché 5 de mes enfants la première semaine. À la fin du mois... trois sont morts, 10 autres sont atteints. Bonjour, ma jolie. Tu as fait tomber ta poupée. Tiens. Merci, mademoiselle Clarence. Au début, j'aurais voulu que les enfants bien portants m'aident un peu, mais... j'ai très peur de les mettre en danger, eux aussi. Liliane est la seule qui m'aide à l'infirmerie. Puis-je ? Oh, mais oui. C'est vraiment gentil à toi de t'occuper des autres. Je peux me débrouiller toute seule. Ce travail est important. Et personne ne le fait aussi bien que moi. Je n'ai pas du tout l'intention de t'enlever ton travail, Liliane. Tant mieux. On ne fait pas confiance aux inconnus par ici. Les enfants ont besoin d'être soignés par quelqu'un qui les aime. Elle a un sacré caractère. Ah oui, c'est quelque chose, cette petite. Elle est du genre tenace. Mais elle m'aide énormément. Tu peux tirer la langue, s'il te plaît? Vous pouvez me dire en combien de temps ils guérissent, à peu près? J'aurais du mal à vous le dire. Il n'y a eu aucune amélioration. Vous ne devriez pas vous approcher de ces orphelins. Pardon? Je sais qui vous êtes. Vous êtes là pour nous aider, nous, et passez-vous rien qui contamine tout le monde. Vous êtes Ray Russell? Mademoiselle Clarence m'a parlé de vous. Je voudrais vous mettre en garde, mademoiselle Simpson. Vous ne savez pas où vous avez mis les pieds. C'est docteur Simpson. Je vous remercie de vous inquiéter pour moi, mais je sais ce que je fais. Et sachez que si je suis venu ici, c'est pour soigner tous les habitants. Mais on paye votre salaire. On est des gens croyants et on ne mérite pas de mourir de la peste. Personne ne mérite de souffrir, monsieur Russell. Personne, et certainement pas ces enfants innocents. Ils ne sont pas innocents. Ce sont des enfants de menteurs, de tricheurs et de voleurs. Vous ne pouvez pas en vouloir à ces petits pour les méfaits de leurs parents, ni pour les vôtres. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? J'ai rien fait. Vous voudriez mettre ces enfants sans défense dehors? Et vous croyez être irréprochable? Est-ce qu'ils vous créent des problèmes? Je peux savoir de quoi tu te mêles. Ça te regarde en rien. Écoute, t'as aucune raison de t'en prendre au docteur. Elle essaie de faire son travail comme tout le monde. Laissez Dieu s'occuper des malheureux. Vous êtes là pour nous soigner. Ce n'est pas une attitude très chrétienne. Vous avez un drôle de comité d'accueil à Sykeston. S'il vous plaît, ne nous jugez pas en fonction de Ray Russell. Oh, où sont passées mes manières? Lee Owens, le forgeron. Belinda Simpson. Mais ça, vous le savez déjà. Oh, c'est une petite ville, les nouvelles vont vite. Surtout quand le maire fait venir une femme médecin. Dites donc, vous ne vous laissez pas faire? Je trouve injuste d'attaquer ces enfants. Il est inutile de me convaincre, je ne prends pas part à cette chasse aux sorcières. Pourriez-vous me montrer où se trouve la maison des Pines, s'il vous plaît? Écoutez, il se fait tard. Et je parie que vous n'avez pas encore eu le temps de vous installer. Vous devriez vous reposer, je vous y conduirai demain matin. Très bien, alors à la première heure, je serai à mon cabinet. Je connais le chemin. Bonne soirée. Merci, monsieur Owens. Vous de même. Dure journée. En effet, je suis désolée. J'espère que tu ne m'as pas attendue pendant tout ce temps. Je suis sortie faire quelques courses pour acheter à manger. Après ce que j'ai entendu, je me suis doutée que t'en aurais pour un bout de temps. Et je me suis dit que tu aurais sûrement faim, alors je t'ai gardé à manger. T'es un ange. Alors, qu'est-ce que t'as entendu? Certains parlent de la peste. Et d'autres d'une grippe virulente. Annie, je crois savoir ce qu'ils sont. Quand j'étais petite, j'habitais dans un immeuble délabré de New York. L'été, la chaleur était tellement étouffante qu'en juillet, chaque famille avait au moins un malade. Ils avaient peu de chances de s'en sortir. Je crois qu'il s'agit du choléra. On va y arriver toutes les deux. Écoute,
Tu sais ce que m'aurait dit l'ancienne Belinda? Elle m'aurait dit que c'était la divine providence que je sois là pour l'aider. Ça, c'était avant que je sache la vérité. Tu peux prier tant que tu veux, personne ne t'écoute. Dieu n'était pas là pour sauver Drew sur son lit de mort. On ne peut compter que sur soi dans ce monde. Renseigne-toi auprès des habitants. Il faut qu'on découvre d'où c'est parti et comment ça s'est répandu. Tu vas où, toi ? Je vais aller voir le maire, lui faire part de mon diagnostic. Ensuite, je vais rendre visite à John et à Meredith Pyle. C'est elle, elle va contaminer tout le monde. Bonne chance. Toi aussi, on va en avoir besoin. Navré de vous déranger, monsieur le maire. On m'a dit que je vous trouverais ici. Je suis au beau milieu de mon repas. Si vous voulez, je peux vous recevoir plus tard, on aura le temps de discuter. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, monsieur Evans, et j'aurais espéré pouvoir vous parler maintenant. Je vous écoute, docteur. Allez, dites-moi tout. Je pense savoir de quoi souffrent les orphelins. Il ne s'agit pas d'une simple grippe, il s'agit du choléra. Baissez la voix. De toute manière, ça n'est pas possible. J'ai lu des articles qui parlaient de ça. Cette maladie ne touche que les pauvres et les gens sans hygiène. Dans notre ville, nous sommes extrêmement fiers de nos récents aménagements. Personne ne sait vraiment comment cette maladie se propage. C'est pour ça qu'elle est compliquée à traiter. Eh bien, servez-vous d'un vaccin. J'ai lu qu'on faisait des progrès énormes contre la variole grâce au vaccin. Sans savoir ce qui est à l'origine d'une maladie, on ne peut pas inventer de vaccin. Et comment comptez-vous la traiter ? Il n'y a pas de remède. Alors je suggère que vous en trouviez un, docteur. Maladie des gens sans hygiène. Je ne savais pas que vous aviez fait des études de médecine, monsieur le maire. Je l'avais bien senti, vous êtes une femme à poigne. Il m'énerve tellement, tous ces gens bien pensants. Attention à ce que vous dites, ces gens, je les connais depuis mon enfance. Oui, peut-être, mais vous n'êtes pas de ceux qui veulent mettre des orphelins sans défense à la rue. C'est vrai. Mais ça ne vous ferait pas de mal d'essayer de comprendre pourquoi ils voudraient faire une telle chose. Peu importe, même si j'avais très peur, jamais je ne mettrais des enfants en danger. Sans doute. Mais si vous saviez pourquoi ils ont peur, alors vous vous feriez peut-être mieux comprendre. Vous avez sûrement raison. Vous êtes là pour m'accompagner chez les Pines ? Oui, madame. Je vous remercie de votre gentillesse, monsieur Owens. Je m'aperçois que c'est une qualité rare par ici. Oh, laissez-nous une chance. Vous pourriez même découvrir qu'on a un côté accueillant. Madame Pine, voici le docteur Simpson. Elle est venue vous voir. Merci de vous être déplacée. Faites mes amitiés à John. Bien sûr. Et merci, monsieur Owens. Mesdames. Vous allez mieux ? Je vous demande pardon. On m'a dit que vous et votre mari aviez attrapé la même maladie que les enfants. Je suis soulagée de voir que quelqu'un va mieux. Je n'ai pas été souffrante, madame. C'est mon mari et ma fille. Ça fait une semaine qu'ils sont tombés malades. Ella, tu as dit que le médecin devait venir. Qui est-elle ? Je suis le médecin, monsieur Pine. Je suis venu vous soigner. J'ai déjà une femme qui prend soin de moi. Je veux un vrai médecin. S'il te plaît, John, laisse le docteur Simpson t'ausculter, d'accord ? Ça fait des jours qu'il est comme ça. Il n'arrive même pas à se tenir debout sans perdre l'équilibre. Ni l'un ni l'autre n'arrive à manger sans tout rendre. La même maladie que les orphelins? Je crois que oui. Je pense qu'il s'agit du choléra. Du choléra? Parlez-moi fort, je ne voudrais pas contrarier votre mari et Meredith. Oh, Seigneur. John et Meredith sont tout ce que j'ai dans ce monde. Ils vont mourir, vous croyez? Je ferai de mon mieux pour les soigner. Mettez-leur des compresses froides sur le front, afin de faire baisser leur température. Et faites-leur boire beaucoup d'eau, il faut les hydrater.
passerai demain pour voir comment ils vont. Merci, docteur. Ah, je te jure, toi alors. J'ai du mal à comprendre. C'est vous le médecin ou c'est pas vous? Je suis médecin, en effet, mais je suis là pour aider le docteur Simpson. Vous et votre ami, vous feriez mieux d'arrêter de poser autant de questions. Et en particulier dans cet hôtel. Sykeston est en pleine expansion. On ne peut pas se permettre ce genre de cancan. Non, vous ne pouvez pas vous permettre de faire comme si tout allait pour le mieux. Il y a des conséquences quand il y a un fléau. J'ai vu des villes prospères se transformer en villes fantômes en quelques mois. On sait très bien où est le problème, d'accord? Maintenant, veuillez m'excuser. Je crois qu'il y a moins de bruit dans cette partie de l'hôtel. Je suis d'accord. On dirait que vous avez besoin d'un peu d'aide. Vous avez déjà un travail important de votre côté. Vous n'avez pas à faire des corvées en plus. Et puis, vous savez, faire un ragoût pour 30 enfants, c'est beaucoup plus compliqué que de faire un gâteau pour un mari. J'ai fait ma part de corvée de cuisine. Regardez les domestiques travailler, c'est pas la même chose que travailler soi-même. Je reconnais les riches quand j'en vois. L'éducation n'est pas forcément un signe de richesse. En fait, toi et moi avons des tas de choses en commun. J'ai grandi dans un orphelinat aussi. C'est ça. Je te le jure. Beaucoup d'enfants. Et des rations ridicules. Ils ont payé pour vos études? J'ai jamais entendu parler d'un orphelin qui était devenu médecin. C'est parce que j'ai eu la chance d'être adoptée par une famille formidable quand j'étais adolescent. Mais je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans l'enfance que j'ai eue. Bien, on a tous nos souffrances. Si vous voulez vous rendre utile, il faudrait un peu d'eau pour remplir la cocotte. La pompe est dans la cour. Liliane a réussi à m'enrôler pour les tâches ménagères. Oh. Cette petite est fougueuse. D'où vient son esprit revanchard? Son père est mort d'un accident sur la voie ferrée. Sa mère lui a dit qu'elle ne pouvait plus s'occuper d'elle. Quand Liliane avait à peine 5 ans, elle lui a dit que son père travaillait au chemin de fer uniquement pour la nourrir. Et que c'était donc sa faute si sa famille était dans la misère. Très rassurant pour une fillette. Liliane n'en parle pas beaucoup. Si on la pousse trop loin, elle a du répondant. Et je peux vous dire qu'elle a eu une ou deux fois des moments où elle a piqué de ses collègues. Et vous tolérez ce comportement? Non, je vous assure que non. Mais on a beau essayer de mettre un lion en cage, on ne pourra pas l'empêcher de rugir. D'ailleurs, ça me fait penser... J'ai su que vous avez eu une altercation avec Ray Russell. Je suis allée trop loin. Je n'avais pas le droit de lui parler comme je l'ai fait. Mais je le referai. Ah, je sais que les gens ont peur. Moi aussi, j'ai très peur. Mais je ne comprends pas comment ils osent évoquer Dieu pour justifier ce qu'ils veulent faire. Moi aussi. Lorsque la science ne peut expliquer un phénomène, les gens se tournent vers la superstition pour donner un sens à leur vie. Vous ne croyez pas que Dieu n'est qu'une superstition? Je ne crois que ce que je vois. Mais vous faites de la médecine. Ils viennent juste de découvrir les microbes. On sait que les gens sont souffrants et on sait quel microbe a causé la maladie. Mais on est tous d'accord qu'on ne peut pas voir le microbe. Pourtant, on sait qu'il est là. De la même façon, on ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir les effets de sa bonté dans le monde. C'est loin d'être la même chose. Avec un microscope, on distingue les bactéries. Peut-être que vous n'avez pas eu la possibilité de connaître Dieu si vous lisiez la Bible. J'ai lu la Bible, mademoiselle Clarence. Et ma famille est croyante et pratiquante. Mes croyances ont été façonnées par mes expériences et je ne suis pas ouverte à la discussion. Vous avez le droit d'avoir vos convictions, docteur. Nous autres aussi, d'ailleurs. Chère maman, je suis à Sykeston depuis à peine 2 jours et déjà je me demande si j'ai bien fait de venir ici.
Je savais que les habitants avaient besoin de moi, mais la situation est pire que je ne le pensais. Je crois que ce qu'ils pensent être la grippe est en fait le choléra. C'est affreux à vivre pour tout le monde. La maladie semble être partie de l'orphelinat et la solution envisagée serait de chasser ces pauvres petits de Sykeston. Voilà ce qu'ils veulent faire. Ils se fichent de ce qui peut arriver à ces petits. Et tout le monde attend de moi que je trouve une solution miracle. Cette maladie est plus grande que moi et j'ai bien peur qu'ils placent une trop grande confiance en moi. Je crains de les décevoir. Surtout une petite fille qui s'appelle Liliane et qui me fait penser à moi à son âge. L'enfant que j'étais avant que tu m'offres un toit. Je voudrais aider Liliane à trouver sa voie, mais je ne suis même pas capable de trouver mon propre chemin. J'aimerais tant pouvoir vous parler à toi et à grand-mère. J'aimerais tant avoir votre force. Bonjour. Je vous présente mon amie Annie. Elle aussi est médecin. Très bien. Venez, venez. Tu t'y prends bien ou est-ce que t'as appris ça? J'en sais rien. Il y a pas mal d'enfants qui tombent malades ici. Et personne veut aider Mademoiselle Clarence. À force de les aider, j'y ai pensé. Il faut soulever la tête, comme ça on évite à l'autre s'échapper avant qu'il l'avale. Et il s'étouffe pas non plus. Voilà, Katie. C'est très courageux de vouloir aider. C'est pas vraiment du courage. Si j'aide, c'est parce que j'aime ça. Ah, tu vois qu'on se ressemble. Si je suis devenue médecin, c'est que j'aimais aider moi aussi. Liliane, attends. Pourquoi? Tu te sers de la même tasse pour tous les enfants. Y a que moi et Mademoiselle Clarence à l'infirmerie, vous savez. Les autres sont occupés à nettoyer et à cuisiner. Tu ne dois pas faire ça. Mais on n'a pas le temps de faire la vaisselle. Un microbe, tu sais ce que c'est? Non. Les microbes rendent les gens malades. Si tu fais boire tout le monde dans la même tasse, tout le monde sera contaminé. Allez, donne-moi ça. Il faut absolument que j'aille en parler à Mademoiselle Clarence. Vous et Belinda êtes très proches toutes les deux, on dirait. On est devenues amies dès le premier jour à l'école de médecine, figurez-vous. Ah. On était un peu obligés. Il s'est passé 2 ans avant qu'on voie une autre femme. Tiens. Ah, vous voilà. Liliane m'a dit que vous utilisiez la même vaisselle pour tous les enfants malades. Oui. Parce qu'il y a si peu d'enfants qui ne sont pas souffrants, du coup, ils sont pas nombreux pour laver la vaisselle qui est utilisée. C'est inacceptable, Mademoiselle Clarence. Chaque enfant doit avoir son propre couvert. Et tous les soirs, il faut bien nettoyer toute la vaisselle. Et éviter que ce soit ceux en bonne santé qui la fassent, si vous le pouvez. Mais les enfants à l'infirmerie sont déjà malades, de toute façon. Je ne pensais pas que c'était grave. Liliane fait boire tous les malades dans la même tasse. Les microbes contaminent tout le monde. Et on ne peut espérer une amélioration si on leur sert des microbes toute la journée. Je fais de mon mieux. Mais je ne suis pas médecin, comme vous le savez. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je le ferai avec joie. En premier, il faut relaver toute la vaisselle que vous avez dans l'eau la plus chaude qu'on peut tolérer. Je vais mettre de l'eau à bouillir alors. Ce n'était pas nécessaire de lui crier dessus. Mademoiselle Clarence n'a pas fait médecine comme nous. Elle ne sait pas toutes ces choses. C'est pour ça qu'on est venu ici. Je lui présenterai mes excuses. Bien. On dirait qu'on a une sacrée vaisselle à faire. Je peux peut-être vous aider? J'ai l'habitude de me débrouiller toute seule, je pense pouvoir y arriver. Ça, je n'en doute pas. Mais ce n'est pas parce que vous y arrivez seule qu'on ne peut pas vous aider. On ne peut compter que sur soi-même, Monsieur Owens. Mieux vaut ne pas l'oublier. Je croyais être la seule à faire des visites à domicile. Mademoiselle Clarence avait des problèmes de gouttière, je suis venue y jeter un coup d'œil. En fait, ça va me prendre une bonne demi-heure.
Après ça, je serais ravie de manger en votre compagnie. On ne se connaît pas du tout. Eh bien, un déjeuner pourrait y remédier. Monsieur Owens, je vous remercie de votre invitation, mais je suis trop occupée, je suis désolée. Je vais déjeuner à mon cabinet et faire quelques recherches. Bien. Je vois que les enfants peuvent compter sur vous. À une autre fois. Je suis désolée de t'avoir rendu malade, Cathy. Je l'ai pas fait exprès, je te le jure. Tu sais, Belinda fait tout ce qu'elle peut pour te soigner. Et moi, je vais l'aider, je te promets. T'inquiète pas, ça va aller. Son état empire, je le sais. Il se bat, Madame Pine. Débordé, il faut se nourrir. Vous êtes un homme du genre persévérant, on dirait. Je me suis dit que je pourrais peut-être vous aider. Je sais lire, je vous rassure. D'accord, si vous voulez. Il faut juste m'expliquer ce que vous cherchez. Et voilà. Ça ne serait pas la nourriture. Parce que c'est pas logique. L'orphelinat ne fait rien pousser. Ce qu'il mange est produit par les fermiers, et les fermiers vendent aux commerçants. Et tout le monde achète chez Gus. Il n'y a pas de potager? Vous avez vu tout ce que Mademoiselle Clarence a à faire? Elle a certainement pas le temps de jardiner. J'aurais mieux d'y retourner. En tout cas, merci pour tout. Pour l'aide et pour l'encas. Oh, y a pas de quoi. Vous savez, les enfants ont de la chance de vous avoir. Ils ont besoin qu'on les défende. Oh, j'ai été placée à l'orphelinat quand j'étais petite. Je les comprends. Être l'enfant de personne, je sais ce que c'est. Je suis désolée. Personne ne mérite de connaître ça. Non, personne. J'y vais. Au revoir. Hattie Clarence fait au centre-ville. Obligez-la à dire la vérité. Hattie Clarence a les mêmes droits que n'importe qui d'autre. On devrait la mettre au cachot. Elle est venue me voir en tant que citoyenne responsable. Elle devrait pas venir ici. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Danger comme ça. On veut des réponses maintenant. Oui, on a le droit de savoir. Renvoyez ces orphelins de malheur d'où ils viennent. Messieurs, dames, on se calme. Crier ne résoudra rien. Je vais répondre à vos questions. Une seule personne à la fois. Les Malloy sont tous les deux tombés malades hier soir. Les Malloy, puis Betty Donovan. Ce fléau se répand, messieurs dames. S'il vous plaît, mes enfants ne sont pas responsables. Je ne les ai pas laissés s'approcher du centre-ville depuis le début. Ils n'ont même pas été en contact avec vous autres. Ne manquez pas d'air, Hattie. C'est notre argent qui a financé cet endroit, ne l'oubliez pas. Oh, c'est faux. Cette commune n'a pas donné 10 cents à l'orphelinat. Vous l'avez construit avec les meilleures intentions du monde, et ensuite rien, vous l'avez laissé moisir. Allons, Hattie, n'y voyez rien de personnel. Mais si c'est personnel, c'est évident. Cette femme se gêne pas pour jouer avec nos vies. Ouais, tu ne peux pas accuser cette femme, ni ses enfants sans preuve. Et puis on sait même pas de quoi ces gens sont atteints. Si, moi je suis au courant. Le docteur Simpson dit que c'est le choléra. Ouais! Vous le saviez, vous avez rien dit! Elle fait de son mieux, laisse-la tranquille! Eh bien son mieux, c'est pas très efficace, on dirait. Il nous faut un médecin digne de ce nom, pas une bonne femme arrogante qui ne fait rien!
Alors tout le monde se calme maintenant. Il faut laisser au docteur Simpson une chance de faire son travail correctement. Il faut lui laisser le temps. Vous ne voyez pas que nos familles sont contaminées? Combien de temps vous voulez qu'on attende? Tous ces orphelins doivent être emmenés ailleurs. Je vous ai entendu. Alors ça suffit maintenant. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une réunion, ici à 18h. Nous déciderons par un vote de l'avenir de cet orphelinat. Vous avez compris? Allez, rentrez chez vous. C'est ça, on verra demain, oui. Je vais pas me laisser faire. Faut qu'on se débarrasse de ces pestiférés. J'espère que tout le monde va voter la fermeture de l'orphelinat. Linda, mon amie. Je sais combien de routes te manquent. Qu'est-ce qu'il y a, Belinda? Je sais pourquoi personne ne va aller. Le choléra ne tue pas directement. Le corps se déshydrate et c'est pour ça que le patient meurt, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on leur donne autant d'eau. Mais ils vomissent sitôt qu'ils l'ont avalé. Exactement. Donc, il faut trouver comment leur donner à boire pour que leur organisme retienne un maximum. Tu as une idée? L'hôpital John Hopkins a fait une expérience, une méthode appelée traitement intravenu. Ça marche selon le principe de la prise de sang. Sauf que c'est l'inverse, le médicament passe dans le corps à travers les veines. Donc si on injecte l'eau dans le système sanguin, ce sera plus dur pour le corps de le rejeter. Mais on ne sait pas comment fabriquer ce truc-là. Je vais aller à la poste envoyer un télégraphe à John Hopkins. Mais Belinda, tu vas où? La poste n'ouvre ses portes que dans 2 heures. Je suis convaincue que ça pourrait marcher. Le docteur Williams de l'hôpital John Hopkins est de mon avis. Il pense que c'est la meilleure façon de soigner les malades. Nous n'avons rien de la sorte dans notre infirmerie. Oui, personne n'en a. Pas encore. C'est nouveau. C'est toujours au stade expérimental. On va devoir les fabriquer nous-mêmes. Ça me semble onéreux, Belinda. On a du mal à joindre les deux bouts. On n'a pas un sou de côté. Vous avez raison. Je veux bien payer. Quoi? Vous n'avez pas à faire ça. C'est moi qui le propose. Et mon père adore défendre ce genre de cause. Il sera ravi de nous donner tout ce dont on a besoin. Alors commençons à faire une liste et laissez-moi m'occuper des finances. Bien, pour commencer, l'élément le plus important, c'est le tuyau en caoutchouc. Si vous n'avez pas assez de tuyaux, je peux vous en commander à Saint-Louis. Je veux bien. Oh, il nous faudrait plein de bouteilles et des bouteilles en verre seraient beaucoup mieux. Hein? Alors, des bouteilles. Et là, ça vous va? C'est parfait. Bonjour, docteur. Je vous proposerai bien mon aide, mais je connais la réponse. Vous apprenez vite, monsieur Owens. Avec moi au cabinet. Mais c'est risqué, la maladie pourrait se propager. Est-ce vraiment une bonne idée qu'elle sorte si elle croise du monde? Elle n'est pas malade. Et nous non plus. Vous avez plein de livres, il y en a partout. Mes livres sont importants à mes yeux.
Mais les livres, ça sert pas à grand-chose. Alors ça, ce n'est pas vrai. C'est grâce à ce livre-là que j'ai trouvé l'idée pour les intraveineuses. Et puis ma maman m'a appris que les bons romans nous transportent dans des mondes qu'on ne verrait jamais. Comme la Chine, ou l'Afrique, ou l'Italie. Je croyais que vous étiez orpheline comme moi. Et je t'ai dit aussi que j'avais eu de la chance d'avoir été adoptée par ma maman. Alors elle n'est pas votre vraie mère? Bien sûr que si. La famille, ça peut être qui on veut. Mademoiselle Clarence fait partie de ta famille, tout comme Annie fait partie de la mienne. Et moi, je peux faire partie de votre famille? Vous avez préparé le matériel? Il faut se mettre à la fabrication des intraveineuses. Il faut s'y mettre, t'as raison. Non, je suis pas d'accord. On verra bien tout à l'heure. Voilà, c'est gentil, Cyrus. Je vous remercie. Je me demande s'il y a encore plus de malades. Bon, alors mesdames, messieurs, d'abord je veux que vous sachiez que j'entends vos inquiétudes. Ça, j'en suis pas du tout sûr, monsieur le maire. Il y va de nos vies. Mais si on fait partir ces enfants et que la maladie continue à se propager, ça pourrait très bien se produire, même après leur départ. Et vous aurez sur la conscience la mort d'enfants innocents. Bon, alors, parlons peu, mais parlons bien. Le docteur Simpson travaille sur un nouveau traitement. Il lui faut un peu de temps pour le mettre en place. On est plein à penser que ces gamins auraient dû dégager depuis longtemps. Moi, ils disent qu'ils pensent. D'accord. D'accord, alors passons au vote. Tous ceux qui sont pour laisser au docteur Simpson une semaine pour mettre en place son projet, dites oui. Et ceux qui souhaitent la fermeture définitive de l'orphelinat, dites non. J'écoute les voix pour. Oui. Les voix pour la fermeture, les oui l'emportent. Docteur, vous avez une semaine pour nous convaincre que le traitement guérit bien, les enfants. Dans une semaine, on se réunira pour un nouveau vote. Je crois que notre réunion est terminée. Alors au revoir. On ne traîne pas. Vaquez à vos occupations. Ça se passe comment? Il s'avère que je n'ai pas l'âme d'un inventeur. Je peux y jeter un œil? Alors voilà. Il faut remplir la bouteille de liquide et faire en sorte qu'il coule doucement dans le tuyau, mais je ne sais pas du tout comment faire pour que l'ouverture soit assez étroite. Mais en admettant que vous attachiez le tuyau à la bouteille, comment allez-vous la remplir quand il sera dessus? Je n'y avais même pas pensé. J'ai peut-être une idée. Viens, je t'attends. Ça devrait marcher. C'est encore un peu chaud, mais dans une minute, il sera froid. Comment vous avez fait? Eh bien, c'est pas exactement ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça devrait aller. Voilà. Il vous suffit de mettre le capuchon sur la bouteille, comme ça. Et vous pouvez la remplir autant que vous voulez. Et moi qui me croyais si futée, je n'aurais jamais réussi à trouver ça. Je crois que vous allez avoir besoin d'un support pour maintenir la bouteille de cette façon. Je vais voir si je peux vous le fabriquer cet après-midi. C'est vraiment très gentil à vous. Je crois que vous êtes le seul à les appeler les enfants au lieu des orphelins. Vous êtes le seul à Syston à être de leur côté. Non, ce n'est pas vrai. Ils peuvent aussi compter sur vous. Et puis, tout le monde a besoin de quelqu'un pour être protégé. Aucun enfant ne devrait avoir à se défendre seul. Je ne pense pas que les gens d'ici s'en rendaient compte avant votre arrivée. Je suis désolée. Il faut que j'y aille. Il faudrait que vous m'apportiez le reste de votre matériel ici. Et je m'en occupe pour demain. Si jamais vous aviez besoin qu'on vous aide, je connais une volontaire. Qui, vous ? Liliane, je pense qu'elle a autant besoin de compagnie que vous d'un coup de main. D'accord. Alors, je passerai la prendre à l'orphelinat cet après-midi. Je suis sûre qu'elle sera ravie. Belinda est très intelligente, vous trouvez pas? Je suis bien de ton avis. J'aurais jamais pensé à faire un truc comme ça. Moi, j'y aurais pensé. Enfin, si j'avais lu tous ces livres, bien sûr. Belinda dit que je suis futée. Eh bien, je suis d'accord avec elle. Alors, on va s'atteler à faire une série de capuchons.
Je vais chercher de l'eau à la pompe. Je suis pas fainéante. Et Belinda dit que je suis la seule à qui elle fait confiance. Alors, montrez-moi où je peux trouver un seau et je m'occupe du reste. Tu t'occupes du reste? T'es sûre d'y arriver? Si je vous le dis, c'est que je peux le faire. Alors, t'as qu'à prendre le seau qui est là. Moi, je trouve ça idiot. C'est idiot de faire des sauts aussi petits. Ça fait le troisième aller-retour que je fais. Je vais y arriver toute seule. J'ai pas besoin qu'on m'aide, merci. Tu viens de l'orphelinat, toi? Oui. Je m'appelle Liliane. Ouais. Je peux savoir ce que tu fais dehors? Je prends de l'eau pour Monsieur Owens. On a beaucoup de travail à faire pour Belinda. Tu me rediras tant. Le docteur Simpson t'a permis de sortir? Oui. C'était son idée, pourquoi? Salut, Ray. Tout va bien, Liliane? Oui, Monsieur Owens. J'ai pas touché cette gamine, Lee, mais elle devrait pas être ici, tu le sais. T'as pas intérêt à t'approcher d'eux, ni des enfants. Ni du docteur Simpson, ou je m'occupe de toi. Tu viens, Liliane? On va se remettre au travail. T'es sûr que tu devrais toucher cette vermine, Lee? Elle pourrait t'infecter, toi aussi. Franchement, t'exagères. Ce n'est qu'une enfant. Allez, viens. On a oublié d'aller acheter des œufs. Il en faut si on veut faire le petit déjeuner demain matin. Passons à l'alimentation avant que ça ne ferme. Oh, tu sais, je peux y aller. Tu devrais aller voir s'il y avance avec les intraveineuses. On se retrouve là dans quelques minutes. D'accord. Ah, docteur. Liliane s'est bien amusée avec vous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir qu'elle soit là. Elle n'arrête pas d'en parler. Elle ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Je suis désolée d'être partie précipitamment. Je sais que vous avez été mariée, si c'est ça que vous vouliez me dire. Désolée pour votre mari. Je commence à croire qu'Annie aurait dû mettre une annonce dans le journal. Ça aurait été plus rapide que de raconter ma vie à tout le monde. Elle me l'a dit parce qu'elle savait que vous ne le diriez pas. Je vous aime bien, Lee. C'est juste... Je ne pense pas être prête. Ce n'est pas grave. Je peux être patient quand je veux. Et vous valez la peine qu'on vous attende. À plus tard, Ross. Mais... Même si vous avez peur, vous avez le droit d'être heureuse. Je ne peux pas vous perdre. Mais je ne m'en vais nulle part. Vous n'en savez rien? Regardez ce qui se passe ici. Vous croyez que Carl Russell s'attendait à avoir le choléra? On ne peut pas passer sa vie à se demander ce qui pourrait arriver. Il faut s'accorder un peu de bonheur. Sinon, à quoi bon être là? N'est-ce pas? Tu rentres, oui? Bon. Quand vous serez prête, vous saurez où me trouver. Bonne soirée, Monsieur Owens. Oui, bonne soirée à vous. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive, attends. Tiens, tu as reçu du courrier. Tu es prête à rentrer? Je te l'ai dit, j'en fais rien. Tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Ma chère Belinda, je suis navrée d'apprendre que tu as des difficultés dans le Missouri. J'essaie de ne pas m'inquiéter pour ton bien-être, mais c'est plus fort que moi. Cependant, je fais confiance à Dieu, et je crois sincèrement que ce n'est pas pour rien que tu as été envoyée aider les gens de Sykeston. Nous avons tous des moments de doute, et nous nous demandons tous parfois pourquoi nous devons porter un tel fardeau. Mais sache que Dieu ne nous donne jamais plus de responsabilités que nous ne pouvons en assumer, même si on a l'impression du contraire.
Lorsque j'ai peur, c'est la prière qui me porte vers des jours plus heureux et qui me fait comprendre que tout arrive pour de bonnes raisons. Tu es toujours dans nos pensées, Belinda. Prends soin de toi. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Je t'embrasse, maman. Ça fait mal, ce truc? Elle ne va pas souffrir. Cathy, Bill avait du chewing-gum plein les cheveux et il a tout essayé pour l'enlever. Mademoiselle Clarence a même mis de la mayonnaise sur sa tête. Il puait la salade aux œufs durs. Cathy, tu m'entends? Cathy semble encore plus mal aujourd'hui. Elle n'a jamais vraiment été bien portante. Vous savez, je crois que c'est pour ça qu'elle et Liliane s'entendent si bien. Ce sont mes deux petites laissées pour compte. Je sais quel effet ça fait. Ça se voit. Et je crois que c'est pour ça que vous êtes... un modèle. Un bel exemple pour... Je suis loin d'être un exemple à suivre, surtout pour une fillette de 10 ans. Vous êtes une femme forte, docteur, avec un grand cœur. C'est la définition même d'un exemple à suivre. On ne devient pas quelqu'un de mauvais parce qu'on traverse des épreuves. C'est facile de savoir qui on veut être lorsque tout va bien. Dans le meilleur des cas, on devient prospère, mais... lorsqu'on traverse... des moments difficiles... c'est souvent là qu'on découvre une force au fond de nous. Vous me dites ça uniquement parce qu'Annie vous a parlé. Non, non, Belinda. Je vois la douleur et la tristesse dans tout ce que vous dites et faites. Ça fait plus de 20 ans que je travaille ici, à l'orphelinat. Je sais reconnaître les signes. Je sais qu'Annie vous a parlé de mon mari. Drew avait la tuberculose. C'était long et atrocement douloureux. Et je n'ai rien pu faire. Il est mort et là... l'infirmière en chef du sanatorium m'a emmenée voir son corps. Et elle m'a dit que c'était la volonté de Dieu. Et je me suis dit, comment est-ce que Dieu m'a permis d'exercer la médecine avec toutes les compétences que ça requiert? Si en fin de compte j'étais incapable de sauver mon mari, l'homme que j'aimais. Ça fait si longtemps que j'ai renoncé à comprendre la volonté de notre Seigneur. On n'est pas censé comprendre, c'est tout. Alors, vous pensez que je dois me contenter de croire que tout va s'arranger? Je pense que peut-être c'est ce qu'on a de mieux à faire. Autrement, on passe tellement de temps à se poser des questions qu'on risque de passer à côté d'un bonheur qui se présente. Ou de passer à côté d'une personne qui pourrait être importante pour nous.
Merci. Merci. Et voilà. Tu es sûre que tu vas t'en sortir sans moi? Je vais bien être obligée. Merci pour ton aide. Pardon, quelques minutes. J'aurais été perdue sans toi. Je ressens la même chose. Je n'ai vraiment pas envie de te dire au revoir. Alors on se dit à bientôt. Je viendrai te rendre visite dans les prochains mois. Tu as plutôt intérêt, je te promets. En voiture, madame. Au revoir, à bientôt. Désolée de la voir s'en aller. Moi aussi. Il était temps pour elle qu'elle passe à autre chose. Oui. Pourrais-je vous accompagner à la réunion de demain? Vous ai-je déjà dit que vous étiez du genre persévérant? Plus d'une fois, madame. Eh bien, votre persévérance finit par payer. J'en serais ravie. Annie va me manquer, mais je savais qu'elle devait partir un jour. La vie change quand elle le souhaite, et souvent de manière inattendue. J'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Lee. Seulement, je ne sais pas encore si je suis capable d'oublier Drew, ni même si je suis censée le faire. En tout cas, j'ai le cœur léger et je n'avais pas ressenti ça depuis une éternité. Je te remercie infiniment pour ton soutien et ton amour. Sache que tu me manques tous les jours, ainsi que papa, Maddy et Jacob. Je vous embrasse tous, Belinda. Venez vite, c'est John. Il ne voulait pas se réveiller quand je suis venue le voir ce matin. Ça va aller, chérie. Quand est-ce que c'est arrivé? Je ne sais pas. Pendant la nuit. C'est pas vrai. Liliane. C'est un mauvais rêve. Calme-toi, ma chérie. Liliane, je suis tellement désolée. Et alors, c'est pas ça qui m'a ramené mon ami? Mademoiselle Clarence, ça va bien? Je vous tiens. Ça va aller, ça va aller. C'est rien. Venez là. Ce n'est rien. Je suis venu dès que j'ai su. Je ne suis pas à la hauteur. Les malades meurent et je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes à la hauteur. Vous faites tout ce que vous pouvez. Vous avez pensé à fabriquer ce système pour donner de l'eau aux malades, pour les réhydrater. Ça fait des jours qu'ils n'ont rien avalé. Ce n'est pas que l'eau qui leur manque. C'est ça, j'ai remplacé l'eau, mais pas les substances nutritives. Vous savez qu'on donne du lait de vache aux chiots quand leur mère meurt? Oui, mais ce n'est pas la même chose. Non, parce que le lait de vache n'a pas les mêmes nutriments. Alors, ils ont compensé avec une solution d'eau, de sucre et de sel. Ça a fonctionné? La mortalité a chuté de plus de la moitié. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Il faut absolument que je trouve du sucre et du sel et j'irai directement à l'orphelinat préparer une solution. Allons-y. Je
crois que ça devrait suffire. Docteur Simpson ? Monsieur le maire, j'aurais besoin que vous remettiez la réunion à plus tard, d'un ou deux jours, c'est tout. Je peux soigner les malades, mais il me faut un peu plus de temps. Je regrette, en fait, il n'y aura pas de réunion, Docteur Simpson. Pardon ? 4 personnes de plus ont attrapé la maladie. Après John Pine et l'orpheline, le conseil a pensé que c'était trop dangereux de faire venir tout le monde, alors qu'il y a un risque de contamination. C'est une bonne initiative, monsieur le maire. Donnez-moi les noms des nouveaux malades et je passerai les voir dans la soirée. Mais d'abord, je m'occupe des orphelins. Je ne peux pas vous laisser faire. À compter de demain matin, Sykeston ne sera plus pourvu d'un orphelinat. Quoi ? Vous êtes sérieux ? On ne peut plus sérieux. Je suis venu afficher un avis d'expulsion. Vous avez l'intention de mettre ces enfants malades à la rue ? Avez-vous conscience que personne ne peut les accueillir ? Ils vont mourir ! Lee, j'ai fait de mon mieux. Je ne peux plus rien faire pour eux. Monsieur le maire, laissez-moi 2 jours. S'il vous plaît, 48 heures, c'est tout ce que je vous demande. Personne à part Lee et moi-même n'entrera à l'orphelinat. Il est pratiquement en quarantaine de toute façon. Je vais essayer. Je vais réessayer. Malheureusement, docteur, j'ai bien peur que la situation ne soit devenue incontrôlable. Vous êtes sûr des proportions ? Je crois que oui. L'important, c'est de mettre plus de sucre que de sel. Et il faut faire bouillir le mélange pour qu'il n'y ait pas de cristaux qui viennent boucher le tuyau de l'intraveineuse. D'accord. Très bien, je vais aller parler à Liliane. Je sais que c'est une enfant et ça ne me plaît pas de la mêler à ça, mais on va avoir besoin d'aide. Merci. Tu ne te sens pas bien, Liliane ? Tu as de la fièvre ? Non. J'ai jamais été malade de toute ma vie. Cathy était ma seule amie. Maintenant, j'ai personne. Je savais pas, Belinda, je vous le jure. Je voulais pas leur faire de mal. Mais enfin, de quoi tu parles ? Vous avez dit que je les rendais malades parce que je les faisais boire dans la même tasse. Je sais que c'est de ma faute. Mais j'en savais rien, moi. Tu n'as rien fait de mal ? Bien sûr que si. Je vous ai entendu. Je n'aurais jamais dû dire ça. J'étais contrariée. Je n'ai pas réfléchi. Je ne pensais pas ce que je disais. Ôte-toi ça de la tête, tu veux ? S'il faut chercher une fautive, c'est moi. Vous avez travaillé sans vous ménager. Avant votre arrivée, personne ne voulait nous aider. Et vous, vous avez essayé. Mademoiselle Clarence dit que des fois, c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est vrai. Mademoiselle Clarence aurait bien besoin de nous. Il faut qu'on soit forte pour elle. Même si on se sent un peu fragile. Tu vas y arriver ? J'y arriverai si vous y arrivez. C'est entendu. Tu viens ? Au feu ! Au feu !
nous faut de l'aide. Allez chercher l'aide. C'est pas assez. Docteur, il faut pas laisser les orphelins jouer avec le feu, ça pourrait mal finir. Je m'en occupe, Lee, restez où vous êtes. Je reste là. Qu'est-ce qui t'a pris, Ray? Il y aurait pu avoir des morts. Ouais, quelques morts insignifiants, pour le bien de la communauté. Alors tout le monde approuve ce que cet homme vient de faire? On ne peut pas accepter ce genre de pratique, Ray. D'accord, très bien. Alors laissez ces vauriens apporter le malheur ici. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Très franchement, il n'y a vraiment pas de quoi. Shérif, faites-moi le plaisir de me débarrasser de cette ordure. Vous voulez, on y va. Ne me poussez pas à bout, Ray. Vous verrez. Vous le paierez au prix fort, vous pouvez être sûr de ça. Qui sème le vent récolte la tempête. Comment peuvent-ils être convaincus que c'était ce que Dieu voulait qu'ils fassent? Si vous voulez vraiment croire en quelque chose, il est facile de trouver une justification. Ce que Ray Russell a fait, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je sais. Du moins, je le savais. J'ai travaillé pour une dame qui avait perdu ses deux enfants. Et elle avait tourné le dos à Dieu. Je me souviens, je m'étais demandé comment peut-on avoir des doutes sur sa foi lorsqu'on traverse une telle épreuve. Et après, quand Drew est mort, j'ai attendu que ma foi me porte. Des semaines durant, j'ai attendu nuit et jour. Tout ce que je voulais, c'était que Dieu m'envoie un signe. Je n'ai rien entendu. Et un beau jour, j'ai arrêté de tendre l'oreille. Ce n'est pas parce qu'on n'entend pas ce qu'on souhaiterait entendre que ça veut dire que Dieu n'est pas à nos côtés. J'ai beau essayer. Je ne suis pas sûre de pouvoir entendre sa voix. Ouvrez-vous à Dieu. Et ensuite, si vous gardez le silence, il devrait vous répondre. Dormez bien, mademoiselle Clarence. Ah oui. Bonne nuit. Seigneur, je sais que ça fait longtemps que je vous ai parlé. J'ai essayé de faire mon devoir envers les habitants de Sykeston. Envers les enfants. Et je ne sais pas si je peux en faire plus. Ces enfants ont le droit de vivre de belles choses, d'avoir la santé, d'être aimés. S'il vous plaît, faites que mes efforts puissent sauver ces petits. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous.
Sa fièvre est tombée alors que le soleil se levait. Tant mieux, Madame Pine. Elle n'est pas encore sortie d'affaire. Il faut qu'elle continue le traitement pendant 2 ou 3 semaines, au moins. D'accord, j'y veillerai. Et je veux que tu manges des aliments solides dès que tu t'en sentiras capable. Merci infiniment, Docteur Simpson. J'ai fait le tour de tous les malades. Tout le monde n'a pas réagi, mais je pense que les plus malades seront remis sur pied dans quelques jours. Bien. Je vais apporter ça aux enfants. Le reste sera pour les gens de la ville. D'accord. Belinda. On dirait qu'elle t'a échappé, cette coquine. Ah, je sais. Je devrais être en train de vous aider. Mais il fait tellement chaud à l'intérieur. Aucun enfant ne devrait être enfermé toute la journée. Mademoiselle Clarence dit que ce truc ne marche plus depuis très très longtemps. Alors si la rouille a tout rongé, peut-être que Monsieur Owens peut le réparer. Liliane, une femme est tout aussi capable qu'un homme de réparer une pompe à eau. C'est sûr. À condition d'avoir un tourne à gauche. Vous avez un tourne à gauche? Non. Je vais aller dire à Monsieur Owens qu'il faut réparer la pompe. Mais s'il vous faut de l'eau maintenant, le puits se trouve derrière ces arbres. Venez, je vais vous montrer. Le puits est là-bas, derrière. Merci. Liliane m'a dit pour la pompe à eau. Je vais la réparer tout de suite, mais il vaut mieux éviter de prendre l'eau du puits. Vous saviez qu'il était dans cet état? On s'en sert plus depuis des années, depuis qu'on a installé les pompes à eau en ville. Ça fait combien de temps que le puits sert de décharge? Je sais pas trop. Le maire a bien essayé de le condamner avec des planches, mais les gens les arrachaient pour y jeter des saletés, alors il est comme ça depuis un moment. Je sais pas quand ça a commencé. D'accord. Où est-ce que vous allez? Je vais dire au maire qu'il faut que tout le monde cesse d'utiliser les pompes. Pourquoi? Vous voulez que j'impose à la population de ne plus se servir des pompes à eau? Oui. Sinon qu'ils fassent bouillir l'eau au moins 2 minutes. Parce que l'eau du puits est insalubre. Je sais que l'eau du puits n'est pas potable. C'est pour ça qu'on utilise les pompes. Sauf que l'eau vient exactement du même endroit. Le puits est encombré de bois pourri et de métal rouillé depuis des mois maintenant. 2 sources importantes de bactéries. Les microbes sont passés dans l'eau et c'est ainsi qu'ils ont contaminé tout le système. Oui, c'est pour ça qu'aucun fermier n'a été atteint. Regardez, ils vivent trop loin du puits pour être affectés. Ça a commencé à l'orphelinat et ça a progressé vers le centre-ville. Mais le puits n'est pas au même endroit que les pompes. Oui et non. En fait, tout le réseau d'eau se rejoint sous terre. C'est comme un lac. Il n'y a que 3 pompes situées au centre-ville et elles ne sont qu'à 400 mètres les unes des autres. Presque toute l'eau du puits est contaminée et ça peut aller plus loin et polluer vos réserves souterraines. Monsieur le maire, si les gens continuent à boire cette eau, ils vont tous attraper le choléra. Mais le choléra est venu de l'orphelinat. Non. Tout est parti de l'eau sous l'orphelinat. Mademoiselle Clarence avait raison. On a laissé moisir cet endroit. Et maintenant, on le paie. J'ignorais qu'on avait ce genre de soucis. Vous devez le comprendre. L'idée n'est pas de chercher un coupable. Peu importe qui a fait quoi, il faut régler ça de façon définitive. Mais... Je vais rester ici tant que vous aurez besoin de moi, alors vous n'avez aucune raison de vous lever. Je n'en suis pas si sûre. Liliane, comment va-t-elle s'occuper? Vous serez moins souvent ici, et vous avez vu comme elle s'est attachée à vous. Mais je passerai. C'est un orphelinat. Entre les gastro et les rhumes des foins, je vais être occupée pendant des années. Reposez-vous maintenant. Oh.
Je vais t'attraper. Alors viens m'attraper. Tu sais, je n'ai jamais été très douée pour ça. À chaque fois, il tombait en morceaux. Je peux vous apprendre? J'en serais ravie. Vous allez devoir retourner soigner tous les gens en ville. Tu parles comme si j'allais partir loin. Mon cabinet médical est au bout de cette rue. Je sais, mais on a le droit de sortir de la cour que quand Mademoiselle Clarence nous accompagne au magasin. Et c'est que pour les anniversaires pour acheter des friandises. Alors je viendrai te rendre visite. Ouais. Et je demanderai l'autorisation pour que tu viennes au cabinet, d'accord? Je vais avoir besoin de mon assistante préférée. Vous n'êtes pas obligée de faire ça pour que je me sente mieux, Belinda. Je sais que je vais vous ennuyer si je suis là. Liliane, tu ne m'ennuies jamais. C'est ce que tout le monde dit. Personne ne le pense. Ne vous en faites pas, c'est pas grave. C'est vrai. Et puis je sais m'occuper toute seule. Sinon, il y a une autre option. Oui, c'est quoi? Tu peux venir vivre avec moi. Vous le pensez? Je ne dis jamais des choses que je ne pense pas. Mais en revanche, tu devras travailler sérieusement à l'école. L'éducation, c'est très important pour moi. Je crois que j'y arriverai si vous m'aidez. Tu sais, ça ne sera pas provisoire. Je voudrais que tu sois un membre de ma famille, si tu l'acceptes, bien entendu. Oui, je vous aime, Belinda. Je vous promets d'être la meilleure fille du monde. Moi aussi, je t'aime, Liliane. C'est amusant. Quand ma mère m'a adoptée, elle avait installé ma chambre exactement de la même manière. En tout cas, c'est gentil de lui offrir un peu d'intimité. Liliane a besoin de son espace. En plus, je suis certaine qu'elle n'a jamais eu de chambre. Mais de toute façon, ce n'est que temporaire, le temps que je trouve une autre maison. À propos... Je vous aime, Belinda Simpson. Et ça ne risque pas de changer, peu importe si je dois attendre. Oui. Je sais, vous avez des tas de raisons de dire non. Mais je veux vous épouser. Je voudrais... Bon, d'accord, tout ça c'est nouveau pour moi. Mais je vous jure que je serai un bon père pour Liliane. Et un mari attentionné. Lee... Je serai ravie de t'épouser. Moi aussi, je t'aime. Lee Owens, acceptez-vous de prendre Belinda Simpson pour légitime épouse, pour l'aimer et pour la chérir tous les jours de votre vie? Je le veux. Belinda Simpson, acceptez-vous de prendre Lee Owens pour légitime époux, pour l'aimer et pour le chérir tous les jours de votre vie? Je le veux. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Missouri, je vous déclare mari et femme. Bravo! Embrassez-la maintenant. Ah oui! Ouais. Vive les mariés! Bravo! 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 Ça c'est vrai. On fait une relation. Can I feel it? C'est chaud. Félicitations! On a reçu une lettre aujourd'hui. Qui l'envoie? Ma maman, ta grand-mère. C'est vrai, alors j'ai une grand-mère maintenant? Ça, c'est sûr. T'as fait une sacrée affaire côté famille. Tu as des oncles, des cousins et deux grand-mères. Des grand-mères qui sont déjà folles de toi. Comment
grand-mère Tyler peut être folle de moi. Parce que moi, je suis folle de toi. Elle dit quoi, la lettre ? Ma chère Belinda, j'aurais tant aimé être là pour ton mariage avec Lee. Toute la famille a hâte que vous nous rendiez visite pour que nous puissions souhaiter la bienvenue à notre gendre et à notre petite fille. Je sais qu'il y aura encore des épreuves sur ta route, mais aussi plein d'aventures extraordinaires. Comme dit la Bible, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel.